tu dois d'abord opérer un changement d'attitude, travailler à modifier ta personnalité. Respecter, apprécier et pratiquer la gentillesse et le sourire, et ne pas considérer que ce sont des marques de faiblesse ou une occasion offerte d'abuser de la personne. Respecter les femmes comme tes égales. Pratiquer la sincérité, et rejeter la ruse et le mensonge qui sont la base de l'islam. Refuser la haine et la koufarophobie que le démon Allah t'impose pour les koufars, infidèles, les associateurs, les hypocrites, et les apostats. Tu es contre la violence ? Alors proclame maintenant ton refus de l'obligation du djihad fi sabilillah. C'est fait, bravo, tu t'es opposé à Allah, tu viens d'accomplir le premier pas sur la voie de ta libération, le reste va suivre tout naturellement. Tu dois reconnaître que Dieu est le créateur de la vie, donc, toute vie est sacrée, que ce soit la vie des hommes, des femmes, des animaux ou des plantes. Tu ne devras jamais dire « j'aime la mort plus que vous aimez la vie ». Le sacrifice du mouton est un acte haram, qui appartient à l'âge de l'ignorance, Jahiliya, car Dieu a accompli lui-même le sacrifice des sacrifices, qui annule tous les sacrifices de l'âge de la barbarie. Tu dois cesser de penser que Dieu a besoin d'esclaves qui répètent des formules rituelles comme des robots. Dieu n'aime pas les robots, il veut des âmes sincères, il veut des êtres humains émancipés et responsables. Tu dois rejeter l'apprentissage par cœur des madrassas, et tu dois appliquer ton esprit à comprendre. Tu dois poser des questions et mettre en doute les paroles des chouïous, de l'imam et des oulamas. Tu dois chercher par toi-même la signification des textes, et chercher ce qu'il y a au-delà des morceaux choisis qu'on a sélectionnés pour t'endoctriner. Libère-toi du piège du tawi, la ilaha, car cette formule hypnotisante contient un sens maléfique caché, elle signifie, en réalité, que Dieu serait limité à rester dans une prison céleste, détaché de sa création, et qu'il serait incapable de se manifester sous une autre forme. Le but du tawi, c'est donc de couper l'homme de Dieu, et de rendre l'homme impuissant devant la fatalité. Ceci est une abomination de l'islam et montre que l'islam est une religion esclavagiste, où les femmes sont soumises aux hommes, les hommes sont soumis à Allah, et Allah est lui-même l'esclave de son rôle de faux Dieu. Tu dois refuser le taglir, Allah soi-disant le plus grand, car Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est plus grand que des faux dieux ou des démons. Si Allah n'est pas sûr de lui, et a besoin d'entendre cette formule, ça veut dire qu'il a un complexe d'infériorité, et qu'il accepte lui-même la rivalité des faux dieux et des démons. Qui est Allah ? Qui est Allah ? Dieu a révélé son identité sacrée à Moïse, et ce nom n'était pas Allah. Dans son Coran, Allah échoue dans son identification, il dit qu'il est Dieu, mais il ne présente pas son identité secrète, son mot de passe en quelque sorte. Il n'a pas répété à Moïse ni à Muhammad sa véritable identité, un nom tellement sacré, que les humains doivent éviter de le prononcer, et c'est pourquoi le faux Dieu Allah ne le connaît pas. Son lobby n'est refusé. Donc, Allah n'est pas le vrai Dieu, c'est un imposteur, un voleur d'identité. Tu parleras donc plutôt de la divinité, Allah, ou de ton Seigneur, Arabe, mais tu cesseras de t'adresser à Allah qui n'est qu'un démon. Tu examineras par toi-même les sources qui rapportent la vie du prophète Muhammad, un nom lui aussi volé, qui signifie qu'on doit le glorifier, chose qui est réservée à Dieu. Donc, en choisissant ce nom, le prophète a commis le shirk. Dans la profession de foi musulmane, le mot louange, Ahmad, qui devrait être offert à Allah n'est pas mentionné, excepté pour son prophète Muhammad. Quel meilleur exemple de shirk ! D'ailleurs, ce sont seulement les musulmans qui peuvent nommer des partenaires d'Allah tels que Tagout, Allat, Manat, Alouza, Muhammad. En lisant par toi-même les détails de la sunna du prophète, et en réfléchissant, tu verras que sa vie est remplie de shirk et de haram. Tu comprendras que c'est un manipulateur, un menteur, un pédophile et un criminel qui a détourné les hommes de Dieu, et a sali la religion du Créateur. Donc, tu cesseras de respecter Muhammad et de le prendre pour modèle.
Tu ne perdras pas ton temps avec les ignorants qui prétendent qu'il y a des miracles scientifiques dans le Coran, car ces soi-disant preuves sont ridicules. Il existe beaucoup d'autres livres dans les cultures du monde avec des textes qui présentent beaucoup plus d'intuition juste de la science à venir. Tu comprendras que le Coran est un livre faussement plagié et imité de la Bible et qu'il est conçu comme outil pour le lavage de cerveau, pour faire passer le crime sous une fausse apparence de bien. Tu n'accompliras pas les 5 salawat, prières, quotidiennes, car ces séquences purement rituelles et mécaniques n'ont aucun effet, elles ne te rendent pas meilleur, elles ne te rapprochent pas de Dieu. Un criminel peut parfaitement les accomplir et continuer ses crimes par ailleurs. Au lieu de cela, tu prieras dans la discrétion, à l'écart, avec ton cœur. Tu refuseras la nourriture halal, car elle est consacrée à une divinité fausse et maléfique, et elle représente une extorsion de fonds pour soutenir la koufarophobie. Tu ne t'associeras pas non plus au jeûne du Ramadan, car c'est au cours de la nuit de Laylatoul Qadr, au cœur du mois de Ramadan, que le démon Allah fait le travail de Satan en fixant pour les hommes leurs mauvaises actions à venir. Le Ramadan est par conséquent un hommage à Satan. Tu liras la Bible et tu comprendras que le Dieu de la vie est venu montrer aux hommes, en la personne de Jésus-Christ, prince de la paix, qu'il n'abandonne pas ses créatures à leur imperfection, mais qu'il a offert aux hommes la voie qui triomphe d'Allah le démon de la mort, et qu'il vient, sous la forme du Saint-Esprit, auprès de ceux qui répondent à son appel et lui ouvrent sincèrement la porte de leur cœur. Attention, remarque importante, ne te laisse pas égarer par le mensonge d'Allah comme quoi Jésus, prince de la paix, ne serait qu'un prophète musulman. Où sont les témoignages qui certifient que Jésus, prince de la paix, récitait la Shahada? Quelle Shahada? Sous quelle forme? En nommant qui comme prophète? Jésus, prince de la paix, n'était pas un prophète qui aurait reçu d'Allah un soi-disant livre appelé Injil, car si c'est le cas, alors il n'a pas rempli sa mission de prophète qui aurait été de conserver et protéger ce livre en le dictant à ses disciples pour qu'ils l'apprennent par cœur afin que ce livre conservé dans les mémoires devienne indestructible, même par le feu. Où est ce livre? Nul ne le sait. Le Jésus de l'islam l'a perdu. Jésus, prince de la paix, n'était pas non plus musulman, car il n'a pas fixé à 5 le nombre des prières quotidiennes, il n'a pas versé, ni récolté, ni distribuer la zaka, il n'a pas pratiqué chaque année le ramadan, il n'a pas interdit la consommation du vin haram, il n'est jamais allé à la Mecque et il n'a jamais mentionné la Kaaba et surtout, à une époque où les lieux saints de Palestine et Al-Quds étaient sous occupation par les forces des mouchriquines romains infidèles koufars polythéistes, il a refusé de faire le djihad fi sabilillah ordonné par Allah et il a interdit à ses disciples de le faire. Alors, est-ce que Jésus, prince de la paix, était musulman? Que Dieu te soutienne et te bénisse dans ton effort et qu'il balaye pour toujours l'islam maudit. Amin.